Bonjour à tous et bienvenue sur Aqualogique TV. Il y a 2 ans, je prenais la première fois le micro devant la caméra pour lancer nos réseaux sociaux et nos petits tutos sur le monde perdu de l'assainissement. Force est de constater que l'envie de partager notre passion et notre métier a eu bon accueil partout en France et même au-delà. En 15 années, j'ai eu la chance de concevoir de nombreux projets, parfois complexes, atypiques, voire même utopiques. Mais j'ai toujours trouvé des solutions techniques. D'ailleurs, savez-vous que c'est pour cette raison que j'ai rajouté l'assainissement autrement à Aqualogique? Aujourd'hui, c'est avec fierté que je dirige Aqualogique, bureau d'études et de conseils, maîtrise d'œuvre en assainissement. Et c'est pour cette raison que j'ai rejoint le réseau Aquatiris dès sa création. Durant ces 10 premières années d'exercice, l'assainissement non collectif a évolué, aussi bien sur le plan technique que réglementaire. J'ose dire que j'ai fait le choix au sein d'Aqualogique de préconiser uniquement des filières de traitement que j'estime être fiables à l'usage et faciles d'entretien. Car ne l'oublions pas, un assainissement quel qu'il soit demande une surveillance. Ce constat m'a entraîné à développer une activité de service sur les entretiens, les SAV et les vidanges de fosses septiques sous l'enseigne Prébocage Vidange. Un métier plein de surprises, mais pour celui qui aime les défis, croyez-moi, c'est bien ici. Alors oui, en tant que gérant d'Aqualogique et de ses filiales, je suis fier de mon métier. Fier de le partager au travers de conférences, de formations, de petits tutos. Oui, mais ce dont je suis le plus fier, c'est de mon équipe et de Milka. Tout d'abord, nous avons Justine Leblé, qui m'a rejoint dès 2015 et toujours soutenue dans l'évolution d'Aqualogique. Elle anime avec bienveillance et professionnalisme notre agence du Morbihan et m'assiste surtout dans la stratégie de développement. Pour cette année, j'aimerais développer et trouver de nouvelles solutions pour la gestion, le stockage et l'infiltration des eaux pluviales. Ensuite, Manon Dartois, qui a renforcé l'équipe aux côtés de Justine. Toujours dynamique et étonnante dans son travail. Manon, c'est le travail à la perfection. Moi, j'aimerais m'améliorer dans la conception de projets atypiques et de petits collectifs. Et puis, Marjorie Delambilly, dévoilée comme le couteau suisse d'Aqualogique. Eh bien, c'est vrai, elle a une capacité d'adaptation à l'imprévu sans limite. Efficace, l'avoir dans l'équipe est un atout. Réactive et passionnée, Marjorie ne se laisse jamais déborder. Suite à l'obtention de l'agrément en décembre 2021, sur la filière Carex, je souhaiterais développer sa dynamique commerciale. Enfin, Pierre Palpacuère, notre plus jeune recrue. Avec plus de 30 ans d'expérience dans les dépannages, Pierre est notre MacGyver. Posé et réfléchi, lui mentir serait inutile, croyez-moi, il reconnaîtra la source de vos problèmes. Pour cette année, je souhaite mettre en place un entretien sur les assainissements. La team 2022 Aqualogique est prête à vous rencontrer. La team 2022 Aqualogique est prête à relever vos projets. Avec Aqualogique, vous verrez toujours l'assainissement autrement. Alors, à bientôt pour un nouveau tuto!